Bonsoir à toutes et tous, bienvenue ce soir sur notre antenne Radio Val d'Azergues, la web TV de Civrieux d'Azergues. Ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un talk nouvelle version où nous allons avoir quelques invités, surprises d'ailleurs, nous ne les avons pas encore annoncés. Donc, je suis très heureux ce soir de recevoir donc Maxime donc, qui va nous parler du futsal Civrieux d'Azergues, Bonsoir Jean-Luc. Maxime Imbert. Et Mélanie, excuse-moi, je ne connais pas ton nom de famille, voilà, qui est joueuse de l'équipe féminine et qui, avec qui on va pouvoir parler de cet exploit de l'équipe féminine. Alors, première invitée. Deuxième point, nous allons avoir une émission enregistrée qui concerne donc Colette prendra donc les commandes de cette émission. Nous allons avoir également le traditionnel poème de Chloé, qui nous a enregistré encore un poème bien sympathique. Il y aura André qui va nous parler de Marcilly d'Azergues, évidemment. Alors, je dois excuser notre ami Yves, qui est toujours en convalescence, et Alain, qui est parti quelques jours se reposer à la mer. Donc voilà, donc on aura deux intervenants en moins, mais on aura quand même une intervenante en plus qui s'appelle Sandrine. Sandrine Vadreau. Donc nouvelle intervenante. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ah, Jean-Luc. ça commence bien. J'ai quelque chose à te demander alors. Oui, Sandrine. Je voudrais que tu me dessines une rose. Te Une rose. dessiner une rose avec un pinceau. Ben, je suis pas très fort moi. C'est toi la peintre. Un mouton? C'est pas moi. Un mouton? Encore moins. Encore moins. Avec de la peinture rose. Et c'est quoi cette peinture rose? Oh, ça sent le cuvier, les gars. Ça sent le cuvier. Qu'est-ce que vous en Je pensez? confirme. Tu renifles, t'es bourré. Non, franchement, Sandrine, non, 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 non. Non. Non, je fais mon Tu veux émission. pas me dessiner le Beaujolais Non, non. Écoute, si tu veux dessiner, toi, je sais que c'est ton dada. Tu peux aller par là-bas, nous faire un petit dessin, puis on verra à la fin de l'émission comment ça se passe. D'accord, je vais me débrouiller toute seule comme d'hab. Allez, bonsoir Sandrine, à tout à l'heure. Donc nous voici en direct avec nos amis du futsal. Futsal donc que nous suivons depuis pas mal de semaines maintenant. Hein, Radio Val d'Azergues se trouve sur les terrains, essaye de. Alors on a vu qu'on avait de la concurrence. Puisque maintenant, le futsal diffuse ses propres images de ses propres matchs et ses propres interviews avec la Ligue. Donc, c'est pas grave. Quand on sera là, on empêchera les images squatteurs. Hein. Pas de OK. souci. Bon, Maxime, bienvenue chez nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu es arrivé au futsal, au club de futsal de Civrieux, à quelle année et, voilà. Pas de souci. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc Maxime Imbert, j'ai 29 ans. Je suis arrivé au club de futsal en 2014 en tant que joueur. Et depuis septembre 2018, je suis salarié du club en tant que directeur sportif, avec en charge le développement du club. Depuis maintenant 4 saisons. Donc, on a pu voir par les sites, les réseaux sociaux, qu'il y avait des stages pour les enfants pendant les vacances, évidemment, avec des thèmes très intéressants, notamment la dernière fois, le handi. Ils ont testé, rappelle-moi, Le le cécifoot. cécifoot, c'est-à-dire Le de foot. jouer au foot sans rien y voir, hein, si j'ai bien Tout à compris. fait, le Voilà. football pour les personnes non-voyantes ou Voilà. Et malvoyantes. ça a été super intéressant et une belle expérience pour les jeunes. Ensuite, je sais que tu coaches plusieurs équipes. Oui, tout à fait. Donc, je coach les U11, U13, enfin, l'équipe Voilà. U11, l'équipe U13, les seniors 2 et les seniors féminines. Je sais également que tu t'occupes pas mal de l'administratif en encadrant le jeune qui était présent, Kylian Gaudry, qui Kylian est service Gaudry, civique au sein du et club. puis Adrien aussi. Oui. Voilà. Et puis, depuis le début de la saison, on avait eu vent que certaines dames, femmes de joueurs ou mamans d'enfants ou autres avait mis le souhait de taper un peu dans le ballon et de s'amuser. Et t'avais dit, venez à l'entraînement avec moi, je veux bien vous apprendre à jouer au ballon. C'est bien ça. Tout à fait, tout à fait. L'idée est venue de trois mamans en septembre 2020.
Et l'équipe est née comme ça. Après, le Covid nous a ralenti dans le développement de cette équipe. Et puis, nous sommes repartis de plus belle en septembre. Sauf qu'on a eu une belle surprise en septembre, c'est que la petite équipe qui voulait taper du ballon, eh ben, vous l'avez inscrite en championnat de ligue. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans le championnat de district du district de Lyon et du Rhône, nous sommes inscrits. Il y avait plusieurs équipes. Alors, malheureusement, toutes n'ont pas pu aller au bout du projet et attaquer le championnat au mois de janvier. Et le championnat a démarré début janvier. Et alors là, je me tourne directement vers Mélanie. Mélanie qui est une joueuse de l'équipe. Bienvenue Mélanie. Une belle expérience. Très belle. Une belle expérience. Alors, moi qui étais sur les terrains aux côtés des responsables du district, je peux dire que vous avez pris plaisir à jouer, à marquer des buts, à être au devant. On a pris plaisir à jouer, on a pris plaisir à se battre aussi, on a pris plaisir à faire une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe, et c'est vraiment très intéressant de jouer dans ces contextes-là. D'accord, et moi, sincèrement, est-ce que quand vous avez commencé, vous saviez que vous seriez championne ce soir ? Alors, quand on a commencé, on ne savait pas qu'on allait être championne à la fin de la saison, mais après, on ne va pas se mentir non plus, on espérait toutes pouvoir accrocher la première place. En tout cas, finir au moins dans les deux premiers. Et puis, par chance et par travail, on est première aujourd'hui du classement. Et ça fait. Vous avez eu quelques frayeurs en cours de tournoi. Enfin, on va appeler ça en cours de championnat. Hein. Vous êtes fait un petit peu peur par des mains. Un match nul, je crois. Un match nul, oui, contre Gol FC à l'extérieur. Que vous avez bien rattrapé au match retour, hein, puisque voilà, vous les avez battus. Et je crois que c'était un point d'orgue pour l'équipe féminine de vouloir battre. Absolument, cette équipe de Gaulle. Et puis, c'est aussi grâce à cette victoire qu'on est championne du Rhône, parce que comme elles étaient deuxièmes du classement, en les battant, forcément, elles ne pouvaient pas nous rattraper. Alors vous étiez, donc, c'était vous l'objectif. Étiez, vous êtes championne. Un joli titre pour le club, pour une première. Maxime, ça va se fêter, ça, j'espère. Tout à fait. Ça va se fêter le vendredi 13 mai, lors du dernier match de championnat de l'équipe féminine qui recevra l'entente Écully-Limonest. Vendredi 13, comme par hasard. C'est une date fétiche, ok. Alors j'ai lu dans vos écrits, aux uns comme aux autres, j'ai aussi eu la chance d'interviewer votre capitaine, Déborah. Tout le monde est unanime pour dire, bah ouais, cette année c'était un coup d'essai. On espère que d'autres clubs vont créer des sections féminines et que, au mois de septembre, au même titre que les U1, U2, U11 et autres, les seniors et autres, il y aura un championnat digne de ce nom, c'est-à-dire une poule avec 10-12 équipes. Tout à fait, c'est l'objectif que s'est fixé le district de Lyon du Rhône. Et on entend que beaucoup de clubs sont intéressés par la formule. Donc, on était 4 équipes cette année. Et il y a déjà 3-4 équipes qui ont pris contact avec le district de Lyon du Rhône pour rejoindre la saison prochaine ce championnat. Et il faut laisser le temps. Quand les U18 avaient attaqué, c'était un championnat à 6 équipes la première année, 8 la deuxième. Et maintenant, on a 2 poules de 8 équipes avec un championnat aller-retour, des phases de play-off. Donc, il faut laisser le temps au futsal de se construire et au futsal féminin. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Radio Val d'Azur sera à vos côtés, hein, pour la saison prochaine également. Et de toute façon, la saison n'est pas finie. Mélanie, il reste encore au moins un ou deux matchs. Il reste un match. Un match. Au championnat, donc, oui. Donc le fameux vendredi 13. Le fameux vendredi 13. Et le champagne va couler à flot. Tu aurais un petit mot, le mot de la fin ? Oh bah. Qu'est-ce que tu pourrais bien vouloir dire à tous ceux qui nous écoutent ? Bah déjà pour les équipes de futsal, s'il y a une création d'équipe féminine, venez. Bon, ça fera plaisir à tout le monde d'avoir plus de matchs à jouer, plus d'équipes d'adversaires, une grosse création de championnat féminin, qu'on puisse au moins avoir des vrais matchs aller-retour, un vrai championnat. Et puis le futsal, c'est quand même un sport hyper intéressant. Donc, s'il y a des joueuses qui veulent venir nous rejoindre, c'est avec plaisir pour un essai à l'entraînement. Eh ben, le message est passé. Bravo, félicitations. Je vous charge de passer les félicitations de la Web TV à l'ensemble de l'équipe. Mais ça, on aura l'occasion. On sera certainement présent vendredi 13 et on sera là pour encourager ce dernier match et fêter ça dans la dignité. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci. Et bon retour à la salle des sports. Merci. À très bientôt sur les terrains. Merci. Absolute. Monde. Monde, monde. Pourquoi nous laisses-tu souffrir ? Pourquoi veux-tu nous voir mourir ? Monde, monde. Pourquoi toute cette violence, elle qui a brisé ton enfance ? Monde, monde. Pourquoi ne pas s'aimer au lieu de se mitrailler ? Monde, monde, pourquoi te laisser pourrir
au lieu de te voir fleurir. Monde, monde, pourquoi tant d'intolérance, au lieu d'apprendre de la différence. Monde, monde, il faut nous sauver, nous allons tous y passer. Monde, monde, il faut que tous les enfants apprennent à écrire, au lieu que, pour l'armée, ils aillent servir. Monde, monde, il faut croire en la science, il faut que l'on avance. Monde, monde, où est passée l'égalité, où est passé le verbe aimer. Pas du tout. Alors, vous allez maintenant avoir une nouveauté également, c'est que nous avons tourné avec Colette en extérieur un petit film que nous allons vous diffuser, un petit film qui est relatif à l'association Fête des Bulles en Azergues et au Salon de la BD son 10e anniversaire qui aura lieu demain, toute la journée, dans la galerie marchande du Centre Leclerc. Bonjour à tous, l'association Fête des Bulles en Azergues se met en stand-by et vous le savez sans doute. Et le salon de la BD qui se déroulait tous les 2 ans ne peut avoir lieu, du moins sous sa forme habituelle cette année. Mais la belle aventure commencée ne peut pas s'arrêter de façon aussi brutale. Aussi, la fête de la BD aura-t-elle lieu, quand même, le samedi 9 avril. De 9h30 à 18h, 8 auteurs dédicaceront leurs albums au Centre Leclerc. Le président de Fête des Bulles en Azergues, Olivier Dehon, va présenter l'événement et Michel Duchamp et lui feront un retour sur le passé. Alors, Olivier, peux-tu présenter cette journée ? Alors, Fête des Bulles en Azergues organise effectivement sa 5e édition. Sous un format un peu plus light que d'habitude, parce que depuis 2 ans, avec les conditions sanitaires, on devait faire la 5e édition il y a 2 ans, puis on l'a repoussé d'un an, et puis on l'a repoussé. Donc on vient d'organiser en 2 ans 3 salons, et donc ça nous a un peu épuisé. Donc on va organiser quelque chose de light. On va donc faire venir 8 auteurs, et donc chez le centre commercial Leclerc, qui a été notre partenaire historique. Il y a plein de partenaires qui nous ont suivis, mais Leclerc a été très moteur, et donc le but est aussi de renvoyer la balle vers Leclerc pour faire une animation dans sa galerie. Bon, ben, est-ce que tu pourrais préciser quels auteurs dédicaceront leurs œuvres, leurs albums, samedi ? Donc nous avons Zeriou, qui est un auteur de manga. Donc, c'est un auteur lyonnais, hein, de la Croix-Rousse, mais il est spécialisé dans les mangas. Nous avons Kaznov, qui est un scénariste, avec qui il fait les chroniques du mangaka, mais également Kaznov, qui est scénariste sur beaucoup d'autres BD. Hein. Il fait Boule et Bill, le scénario de Boule et Bill notamment. Et puis Les Petits Mythos, qui est la BD qui a été élue meilleur album il y a 4 ans, qui est dessiné par Philippe Larbier. Donc nous avons ces 3 premiers auteurs. Nous avons Morgane de Cadier, qui est une illustratrice jeunesse, donc pour les plus petits. Donc nous avons Laurence Yorak, qui va venir avec sa BD sur les Romains, donc sur Arles, avec Arlat. Nous avons également Thierry Giraud, qui est un auteur avec Wanted et Durango, notamment, qui a fait dans le western. Et nous avons Kaya, qui est plus humoristique, avec la partie La Vache de Kaya. Et enfin, Jim Maître, qui est en Auvergne, mais qui est d'origine de Lyon, et qui fait une série sur les vaisseaux spatiaux, donc dans l'espace. En clair, il y a beaucoup de variétés. Tout à fait. Voilà. Et ça s'adresse à des âges différents aussi. Pour tout public, effectivement, ça va du petit au plus grand. On a voulu effectivement faire la totale. Alors on va demander à Michel, quelles sont les autres manifestations, quelles autres manifestations auront lieu ce Alors, jour-là ? On a une après-midi de souvenirs un peu. Oui. Donc ça commencera à 17h30 avec une pièce de théâtre qui s'appelle La Taverne de Jolly Roger et qui est une pièce de Bernard Forerou, qui est un ami du début, hein. Il a participé absolument à tous les salons de façon active, et en particulier il a participé à une exposition sur les pirates dans la BD, et exposition qui sera également présente donc samedi, hein, dans la salle.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'il a fait aussi un travail sur l'esclavage? Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui aussi qui a fait un travail sur l'esclavage. Ouais. D'accord, c'est bien. Ensuite, donc une heure après, à 18h30, donc, on aura la partie officielle, la clôture de notre association, on va dire, et avec une rétrospective vidéo qui reprend les cinq salons, y compris celui-ci, donc les cinq salons précédents, et qui nous permettra donc de revivre ça, chacun étant un peu acteur, commentera, sous la direction d'Olivier, commentera les différents épisodes. Puis Olivier clôturera officiellement notre association et on aura un représentant de la commune qui terminera également avec lui. Et après, tout le monde sera invité à un apéritif convivial. Voilà. Michel, tu es à l'initiative du Salon de la BD à l'époque d'Effervescence. Alors, peux-tu expliquer ce qu'est Effervescence aussi? Alors, celui qui est à l'initiative, ce n'est pas moi ni Effervescence, c'est Olivier. Qui est venu un jour, je ne le connaissais pas, qui est venu un jour donc me présenter ce projet, auquel donc nous avons souscrit immédiatement, hein, et nous avons mis tout le capital humain et financier au départ, hein, d'Effervescence, pour lancer cette première édition. Et on avait été, pour cette première édition, donc extrêmement ambitieux, hein, puisque... ça s'est passé entre le 1er décembre, je crois, où on a fêté les 70 ans de Sylvain et Sylvette, jusqu'au jour de la BD, je crois que c'était le 13 avril ou quelque chose comme ça, hein, où on a fait le salon de façon traditionnelle avec un certain nombre d'activités. Est-ce qu'Olivier peut nous dire comment il a rencontré l'auteur, le premier auteur du premier salon? Alors, l'auteur du salon, c'est un concours de circonstances, en fait. Alors, donc, le premier salon a été fait avec Béric, qui est l'auteur de Sylvain et Sylvette. Et en fait, j'ai rencontré cet auteur en allant dédicacer dans un autre salon une BD pour mes enfants. Et donc, le courant est passé entre lui et moi parce que, effectivement, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'il faisait une dédicace pour un bébé qui n'était pas encore né. Voilà. Donc, du coup, il me connaissait. Et deux ans après être arrivé à Civrieux, c'est là où j'ai dit, tiens, maintenant je suis ancré dans le village, j'ai envie de participer à la vie du village, et donc j'ai envie de faire des choses pour le village. Et c'est comme ça que je l'ai sollicité, une fois que j'avais voulu essayer de faire le salon à Civrieux, et que j'avais eu l'accord de Michel et d'Effervescence, qui sans eux, il n'y aurait jamais eu de salon à Civrieux, eh bien, j'ai sollicité Béric, en lui rappelant cette anecdote pour la dédicace, et qui a dit, mais oui, bien sûr, je le fais tout de suite, sans aucun problème. Votre association s'appelle Fête des Bulles en Azergues. Les Bulles, c'est la BD, et en Azergues, pourquoi l'Azergue? Alors, les Bulles, c'est la BD, effectivement, et le but était de tourner, était d'amener les enfants à la lecture par le biais du dessin. Oui. Et en Azergue, c'était parce qu'on ne voulait pas le limiter à Civrieux. C'est une association sévérienne, bien sûr, mais c'est une association qui est ouverte à toutes les communes environnantes, et on voulait en faire une fête et effectivement, importante. Beaucoup d'écoles ont participé. Est-ce que vous avez en mémoire le nom des communes qui ont participé? Alors, d'abord, ce qui était important, c'était que ce ne soit pas un salon de la BD fermé sur lui-même. Donc, oui. Dès le départ, on a voulu y impliquer les écoles. Et ça a été d'ailleurs, je crois qu'il faut le dire, hein, les écoles, c'est là où on a mis tous les bénéfices. Tous les bénéfices des salons de la BD sont partis pour payer des demi-journées, des intervenants, dessinateurs qui sont venus dans les écoles pour faire connaître la BD et pour préparer les élèves à des expositions qu'on a fait à chacun de nos salons. Oui. Donc les écoles qui ont été impliquées
Au total, il y a d'abord eu les deux écoles de Civrieux, dont l'école privée Notre-Dame de Lourdes, l'école publique Maurice Gilardon. Le collège Notre-Dame de Lourdes a aussi été impliqué. Et puisqu'on parle de collège, il y a eu deux autres collèges, donc le collège Alexis Candelaf de Chazé et le collège Champagnat de l'Arbrelle ont été impliqués. Et en école primaire, donc en plus de celle de Civrieux, il y a eu celle de Lausanne, celle de Dommartin, celle de Marcilly, et puis une école de Glézé également. Est-ce que vous pouvez préciser combien vous avez eu de dessinateurs en moyenne? En moyenne, on tournait autour de 25 auteurs. On est arrivé à avoir, je crois, le maximum 27, 28 auteurs. Mais on visait toujours une trentaine pour avoir quelques défections, en fonction des Et trajets. ça ne doit pas être une mince affaire que de trouver les auteurs. Ah, Comment avez-vous procédé? c'est un gros travail. Eh bien, heureusement, on a des passionnés de BD dans l'association, parce que nous ne sommes pas des experts, hein. L'association, à l'origine, est pour amener les enfants à la lecture et faire une fête de village et dans le bassin de vie. Mais on a des personnes qui adorent aller dans les salons et qui rencontrent des gens. Et puis surtout, comme on a sympathisé avec certains auteurs, et au regard de la qualité d'accueil qu'ils ont eu, ils disent « Ah, mais je peux faire venir avec un copain » et tout ça. Donc ça se propageait assez rapidement. Et les associations ont participé en grand nombre. Est-ce que vous pourriez les citer? Et de par ce biais, on les remercie. Alors, donc effectivement, la première, donc Effervescence, qui était à la qui a mis le genèse, pied à l'étrier qui de était Fête des Bulles en à la Azergues. genèse de Fête des Bulles en Azergues, effectivement, l'association des familles qui a toujours participé à accueillir les enfants pour les faire dessiner le jour J. Nous avons le comité de jumelage qui a toujours été présent. PEPS également qui a participé, l'association des parents d'élèves de l'école Maurice Gilardon, qui a fait un repas avec des jambons à la broche. Donc, où ça a été vraiment un des points phares également de l'animation. Nous avons Engoulevent, dos à dos. Nous avons également Zoom. Nous avons Vent d'Ouest également qui a fait un concert. Alors nous avons également le futsal qui avait organisé avec PEPS une randonnée et nous avions fait un QCM sur le thème de la BD. Et nous avons Andichien également qui était présente, sans oublier les écoles de musique. Bien, on va terminer en vous demandant quelles ont été les satisfactions que vous avez connues lors de ces 10 années écoulées. Ben moi, comme satisfaction, franchement, c'est d'avoir pu générer toute cette ferveur dans le village et dans les villages aux alentours autour de la bande dessinée et de la lecture. Une aventure humaine phénoménale de découvrir la bande dessinée, parce que je ne connaissais pas la bande dessinée. Le but, c'était d'amener vraiment une animation dans le village. De rencontrer des gens, mais extraordinaires. Donc, Michel et Marie-Laure, c'est le trio initial pour le premier salon. On l'a fait à trois, et franchement, enfin, c'était une aventure humaine extraordinaire. Et j'en garde que des bons souvenirs. Alors moi, je resterai sur le même créneau. Il se trouve que le premier salon a commencé en fait en 2011, début 2011. Ça a été en 2012, mais le temps de la préparation, et ça correspondait à mon départ à la retraite. Donc le salon, ça a été, ça a renforcé, disons, ma colonne vertébrale pour tout ce temps de retraite. Ça m'a fait rencontrer des gens avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler sur le plan associatif. Et surtout maintenant, au moment où on va s'arrêter, et c'est sans doute ce qui alimente le plus mes regrets, c'est que on travaille avec des gens qui n'avaient pas travaillé vraiment au salon précédent. C'est-à-dire que tout serait prêt presque pour repartir, mais enfin bon. On a décidé d'arrêter. On va souffler un peu, puis on verra. Je vais terminer par une phrase d'un bédéphile sévérien. Chacun a sa méthode pour entrer dans la BD par le récit, la couleur et le graphisme. Ce qui voulait dire que la BD était ouverte à tout le monde, quels que soient ses goûts. C'est clair, et c'est une belle parole. Moi, je rajouterais quand même aussi le côté convivial qui n'apparaît pas dans cette phrase. En tout cas, merci à tous les Sévériens Bien, on et va tout vous le bassin de vie. Remercier. Oui, vous remerciez les Sévériens.
Mais nous, les Sévériens, on remercie Michel et Olivier pour tout ce qu'ils ont apporté au village. Merci à vous. Alors, après ce magnifique reportage de nos deux amis, alors anciens et nouveaux présidents de Bulle en Azergue, Fête des Bulles en Azergue et du Salon de la BD, nous allons reprendre le cours de notre émission. Alors, on va changer totalement de sujet. On va accueillir André, évidemment, habituellement, qui nous parle toujours de ce qui s'est passé à Marcilly. André, qu'est-ce que tu peux nous dire cette semaine à Marcilly? Cette semaine à Marcilly, il y a eu un gros concours de boules, 64 doublettes, réservées aux joueurs de 4e division, parce qu'il faut savoir que dans la boule lyonnaise, c'est pas la boule de pétanque, c'est la boule lyonnaise, il y a 4 divisions, enfin on dit 4 divisions, mais c'est les nationaux et tout, il y a tout un tas de choses comme ça. Et ce concours, malheureusement, au départ était complet, mais vu le temps qu'on a eu le fin de semaine dernière, ça a quand même beaucoup de joueurs ne sont pas venus. Comme je dis, ça, j'appelle pas ça des sportifs, puisque théoriquement, ils devraient être là. Et le pire, ça a été que les doublettes qui venaient de loin, telles que Saint-Symphorien-sur-Coise, Montceau-les-Mines, Maringe, et tout, étaient présents, et les gars qui habitent Frontenon ne sont pas venus. Vous avez eu du mauvais temps, hein? Et puis bon, il faisait froid le dimanche, il faut reconnaître, hein. Mais ça les a pas empêchés, il y avait du vin chaud, il y avait des cafés, il y avait de tout. Ça les a pas empêchés de jouer et de tout. Je crois que tu nous as amené quelques images. Oui. De ce tournoi. Est-ce qu'on les a enrichis? Voilà. Alors ceux-là, c'est une équipe de Maringe. C'est eux qui ont remporté le concours. Il s'agit de Charton Bernard et Charton Jean-Pierre. C'est l'oncle et le neveu. Et Charton Jean-Pierre Bernard a été champion de France il y a 14 ans avec son papa. Alors la tradition veut que vous jouiez les finales le week-end. Oui, et les finales ont eu lieu hier au soir. Hier au soir. Voilà. Donc et ils ont battu une équipe de Saint-Symphorien-sur-Coise, Poncet Christian et Dumillier Jonathan, sur le score de 12-11, parce que c'est au temps. Ils ont arrêté la partie. Ils avaient 2 heures, et donc ça voilà. Très bien, André. Et il y avait un concours complémentaire qui se déroule que l'après-midi, parce que l'autre, il commençait le matin à 7 heures. Bien sûr. C'est long, hein, quand même. Oui. À 7 heures, et le concours complémentaire a été gagné par une doublette marseilloise, alors ça fait toujours plaisir, qui est Maxence Charme et Charles Sarzier. Ils ont gagné une équipe encore de Saint-Symphorien-sur-Coise. Il y avait beaucoup d'équipes de Saint-Symphorien-sur-Coise. Bordet René, Dumillier, Jean-Luc, sur le score de 12-4. Voilà. Et ce qui a fait plaisir aux vétérans de l'Amicale Boule Marcilly, qui est monsieur Marcel Blanchon, qui est quand même connu, puisque ça a été, ils ont eu une entreprise de maçonnerie qui est maintenant tenue par son fils et son petit-fils. Et c'est Maringe est le berceau originaire de la famille Blanchon. Ah bon, alors il était gagne à Marcilly, c'était normal. Il était tout content de voir cette doublette gagner. Voilà. En tout cas, merci André. C'était pour ce soir. Oui, et sinon, il y a un autre concours le dimanche 24. D'accord. À Marcilly, encore. Là, c'est le but d'honneur de la société. Alors, ce qu'on sait, c'est que les activités dans tous les villages repartent. Bien. Écoute, on va te charger pour la prochaine talk de nous ramener quelques images d'une manifestation marcilloise. Oui, non, mais il y a... Bon, là, ça va être Pâques, alors ça va être... La chasse aux œufs. Oui, non, apparemment, les écoles ne font pas la chasse aux œufs en France cette année. Ils n'ont pas repris encore. Mais enfin, non, ça va repartir. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses. On a des choses qui sont en prévision, mais plus pour après l'été. Merci beaucoup, André. Colette, toi, c'est tout autre chose? Moi, je vais vous annoncer ce qui va se dérouler demain à Dommartin, et puis ce qui va se dérouler également à Chazet. Je m'occupe de Chazet, entre guillemets, en attendant le retour qui est programmé dans quelques temps. Oui, donc c'est bien. Alors, Dommartin. À Dommartin, demain, le 9, il y a la fête du pain. Et la fête du pain, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque ça date de 2018. C'est même très récent. En fait, il y avait à Dommartin une ferme qui s'appelait la ferme Marlier, dans ce qu'on a appelé l'îlot du Pro. Et là,
La municipalité n'a pas voulu abattre cette la ferme. Oui. Elle l'a réhabilitée. Elle a également construit en plus d'autres habitations. Et elle a réhabilité la ferme de façon à ce qu'il y ait une sorte de vie. Et la fête du pain symbolise en quelque sorte cette vie dommartinoise. Ouais. Alors, la fête du pain, elle est faite dans un vieux four qui a été réhabilité par une association excessivement active dans le village qui s'appelle l'Arapède. Et l'Arapède a non seulement fait en sorte que le puits soit toujours utilisable, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ont fait en sorte que le vieux four de la ferme, qui n'avait sans doute pas fonctionné depuis 1910. Bon, et là, ils l'ont mis en chauffe depuis hier. Et demain, il y aura un concours. Mais c'est pas, il y aura du pain, évidemment, toutes sortes de pâtisseries, mais il y aura aussi un concours de gâteaux. Et ce concours de gâteaux, il est proposé par le conseil municipal d'enfants. Ah, bien. Et le conseil municipal d'enfants, donc à la ferme du Pro, demain, demande qu'on dépose les gâteaux à 9h30, entre 9h30 et 10h. Il y aura une dégustation par un jury, il y aura un prix, et le prix comportera deux parties. Il y aura l'esthétique du gâteau et évidemment le goût, ça ne fait pas de doute. Et il y aura deux catégories, il y aura la catégorie enfant et la catégorie adulte. D'accord. Donc là aussi, je n'ai pas de jugement à porter, mais je trouve que c'est très intéressant parce que toutes les générations se retrouvent. Et donc il y aura des prix, et les prix consisteront à des cours de pâtisserie pour les plus jeunes et puis pour les gens qui ne savent pas trop, et puis aussi des bons d'achat. D'accord. Voilà. Alors, je voulais revenir simplement sur l'association Arapède, parce que Arapède, c'est un nom d'association, mais il faut savoir, alors je l'ai su dans la semaine et je l'ai déjà oublié parce que je ne l'ai pas noté, que chaque initiale veut dire quelque chose à Dommartin. Alors, le A, bien sûr, tout le monde a deviné, c'est l'association. Le reste, c'est... De restauration, patrimoine estimé de Dommartin. Voilà. Donc, voilà. Et mais cette association ce que je ferai, a rénové aussi beaucoup. Voilà. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je consacrerai une émission spéciale à la Rapette, parce qu'ils ont fait vraiment très bien. Très, très belle on prendra contact avec eux, filmer deux, trois... Oui, oui, oui. Donc, le four à pain qui se trouve... au fond... Sur la route, quand on prend la route de Lisieux, à la hauteur des établissements motoculture, sur la droite, vous avez un petit portillon fermé. Le four à pain. Le four à chaud, c'est le four à chaud. Le four à chaud, ah oui, parce que le four à pain, il se trouve fermé. Excusez l'amalgame, il y a un four à chaud qui a été aussi restauré par cette association. On en reparlera. Et pour lequel on pourra faire pour les journées du patrimoine. Oui, oui, oui. Merci Colette. Alors, non, mais moi, je parle bien du four à pain. Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui ont le temps d'y aller, allez-y. Gratuit. Et puis, l'entrée est gratuite. Et puis, vous rapportez de quoi faire votre pain de midi, sans souci. Alors, deuxième point, on va passer donc de Dommartin à Chazet-d'Anerne. À Chazet. Alors, à Chazet, il y a une association qui s'appelle l'Ami des Jardins de Chazet. Et ils font une animation qui s'appelle Truc et Troc dans vos jardins. Et en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à préparer des plantes, des boutures, des graines et des outils non motorisés et à les échanger. Ah, d'accord. Tout c'est bon. Oui. Et les gens participent aussi, s'ils en ont envie, à des concours, au concours des plus beaux nichoirs et au concours des plus beaux hôtels à insectes ou à, alors j'ignorais, chauve-souris. Ah oui, ça se fait bien maintenant. Et est-ce qu'ils ont aussi des jardins partagés, comme ça se fait dans beaucoup de communes? Je ne crois pas. Ils ont tous leur propre jardin. Voilà. Ouais, mais cette association a été montée il y a déjà une bonne dizaine d'années, je dirais même 15. Elle a été montée, par un ancien professeur du lycée horticole de Dardilly, que je connaissais, parce que moi, mes fils ont été au lycée horticole. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que ça a lieu le dimanche 17 avril, de 10 à 18 heures, à l'Orangerie. D'accord. Voilà. Et je donne un numéro de téléphone.
Si tu veux, ça peut servir à nos auditeurs, mais ils peuvent aller sur Internet. Oui, 06 07 32 14 54. Parfait. Donc, truc et troc de vos jardins. Et alors, un petit mot du ciné Chazet. Ah ben oui, un petit mot du ciné Chazet. Comme d'habitude, un petit programme. Alors, vous faites très, très, très vite ce soir. Parce qu'il y a un film très drôle, à 20h30, qui s'appelle « Alors on danse ». Et effectivement, c'est une jeune femme qui redécouvre la passion de la danse. Ce sont des chorégraphes un petit peu pied-nickelés, quoi. Hein. Donc, ne vous attendez pas à des choses tragiques. Vous rirez tout au long du film. Et puis, on fait la fête. Et puis, c'est la folie pour tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est le 8. Excusez-moi, je ne sais pas par cœur. Le 12 avril, c'est aussi une comédie, décidément on a besoin de rire, ça s'appelle « Trois fois rien ». Et Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent dans le bois de Vincennes. Et ils gagnent au loto. Alors vous imaginez ce qui peut se dérouler après un événement comme celui-là. Et ça, c'est à 18h30, mais le soir, il y a un film dont tout le monde a entendu parler, c'est « Notre-Dame brûle » de Jean-Jacques Haneau. Et moi, je pense que le film est excellent. C'est pas la peine qu'on en parle. Non, non, c'est ce dont il s'agit. Voilà. Alors aussi, le mardi 19, pour les parents, il y a « Le grand jour du lièvre ». Et ça, c'est un ensemble de 4 films, pas long du tout, qui est adapté aux enfants de 3 à 4 ans. Et ce qui convient parfaitement aux tout-petits. Et la durée du film étant inférieure à 1 heure, le tarif de la séance est de 4 euros pour tous. D'accord, alors moi j'ai juste une petite question. C'est un ciné Chazet, c'est une association, c'est associatif. Oui, mais bon, quel est le prix des entrées? Le prix des entrées. C'est pas dans les 6. On sait pas, bon, c'est pas. C'est dans les 6,50. Si je devrais bien savoir, je peux vous le dire. Oui, dans l'ordre des 6. Alors, adulte 6,50, tarif réduit 5,50, enfant de moins de 14 ans. Donc, très abordable pour toutes les familles. Oui, oui, oui. Et puis, il y a quelque chose que moi je trouve, que j'apprécie énormément, c'est qu'on n'a pas de problème pour se garer quand on va au ciné. Le grand parking. Ça compte quand même. Et on ne paie pas le parking, qui plus est. Voilà. Merci Colette. Voilà. Alors, j'avais encore un film à citer, L'ombre de mensonge. Ça, c'est un drame, une romance. Et c'est avec Bouly Lanner. C'est assez passionnant quand même aussi. Voilà. Merci Colette, en tout cas, pour ce talk bien rempli. J'en profite pour réannoncer que Colette présente une émission sur notre chaîne Radio Val d'Azur, une émission qui est dédiée à la culture. Et que nous passons une fois tous les 15 jours, grosso modo. Merci Colette, on aura le plaisir de trouver. Ta prochaine émission s'appellera ? C'est sur les corbeaux. Les corbeaux. Oui. Très bien. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'émission de Colette. Merci André, merci Colette. Merci. À très bientôt pour le prochain talk. Voilà. Merci. Émission du talk, Sandrine qui nous a rejoint, Sandrine Vadrou, rebonsoir. Sandrine nous a rejoint avec ses peintures, elle était dans son atelier, là-bas au fond du studio, et elle était chargée de nous faire des petits dessins avec cette nouvelle technologie dont elle va nous parler. Mais Sandrine. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sandrine. Alors c'est quoi cette technique de dessin ? Je crois qu'il y a quelques années déjà que tu l'as découvert. Tout à fait. On était parti avec notre ami Guillaume en reportage au Bois d'Oin dans ton atelier, si j'ai bien compris. À l'époque, oui, c'était au Bois d'Oin. Au Bois d'Oin. Maintenant, t'as déménagé. Je crois que tu es sur Châtillon-d'Azergues. Oui, mais j'ai pas encore vraiment d'atelier fixe. Voilà. Et nous avons pu découvrir ces magnifiques dessins faits avec du vin. Mais dis-moi, ta mémoire est flanche, Jean-Luc. Bah, c'était bien avant qu'on s'est connus. Tout à fait, mais bon. Tu te souviens où est-ce que c'est connu?
Oui, c'était à l'occasion. C'était au milieu des vignes. Au milieu des vignes, à l'occasion d'une assemblée générale d'Atout Beaujolais. Non, c'était un géo-événement. Ah ben c'est pareil. Au milieu des vignes et où tu m'avais déjà filmé en train de peindre du vin. C'est vrai. En vue du géoparc, futur géoparc. Alors, bon, Sandrine, on va pas refaire l'histoire. Voilà, une petite question. Pourquoi as-tu choisi ce générique en rentrant en scène déjà? Alors, Vol de nuit, c'est un roman de Saint-Exupéry qui date de 1931. Saint-Exupéry, il était directeur de l'aéropostale à l'époque, en Argentine, et donc il faisait des trajets à travers l'Atlantique pour porter le courrier, qui était à l'époque très précieux pour tout le monde. Mermoz, Saint-Ex et Guillaumet, c'était des pionniers, c'était à la fois des aviateurs et des poètes, et puis il menait des épopées assez courageuses. Voilà, donc en fait, Calogero, il a eu envie de rendre à ces gens un petit hommage, et aussi à Pierre-Georges Latécoère, qui a créé les premières lignes Latécoère, l'aéropostale, donc en 1918, mais qui sont devenues Air France en 1933, de mémoire. Oui, Air France. C'est tout 33. À fait ça, 1933, c'est bien la création d'Air France. Voilà, donc l'aéropostale fait encore rêver de nombreux pilotes, et il existe toujours des raids qui sont organisés, peut-être pas chaque année, mais assez régulièrement quand même, pour que la légende perdure et puis que l'aéropostale reste une aventure mythique. Et tu l'as choisi comment, ce générique de Calogero? Alors, j'ai bien aimé ses mots à Calogero. Bon, ce ne sont pas les seules chansons que j'apprécie de lui, mais entre autres, il parle de facteurs du ciel qui transportent des lettres et des rêves. Il parle de son ciel solitaire, je lis, un peu solidaire, et nous invite à prendre un peu le monde d'en haut sans le prendre de haut et voir ce qui nous unit. Oui, bon, j'ai bien compris, mais pourquoi tu nous parles de tout ça, en fait? Parce que je vous emmène, j'ai envie de vous emmener dans une balade à travers le Beaujolais, régulièrement, si tu es d'accord, de te proposer une nouvelle émission. Oui. Oui, sur les chemins du Beaujolais. Et puis, en cette période qui est un petit peu chamboulée pour tout le monde, où nos repères sont très difficiles, prendre un peu de hauteur pour admirer tout ce qui nous entoure, sans oublier de regarder avec le cœur. Tu vois à qui je fais allusion dans ce cas-là? Vas-y, je... Saint-Exupéry, bien entendu, c'était l'auteur d'un livre qui est mondialement connu, Le Petit Prince. Et puis j'ai envie qu'on retrouve cette ambiance. Voilà, Le Petit Prince, il est né dans le désert. Quand Saint-Exupéry s'est écrasé avec son avion et qu'il s'est retrouvé tout seul, il a entendu une petite voix qui lui a demandé de lui dessiner un mouton. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je t'ai demandé de me dessiner un mouton. Oui, qui s'est terminé en dessine-moi le Beaujolais, quoi. Voilà. Et puis, en fait, le petit mouton, moi, je l'ai dessiné aujourd'hui. Alors, fais-nous... Voilà, pendant... Voilà, j'ai fait ça. Sur le pouce. Il y a le petit mouton. Et puis, petit mouton, il est en train de sentir la jolie petite rose. Alors, tout le monde a vu à l'antenne? Ce petit mouton, je vois sur cette photo, il y a le petit prince, il y a deux cadoles. En fait, c'est l'univers du petit prince qui se retrouve dans le Beaujolais. Tu vois, il y a l'étoile pour qu'on ne se perde pas non plus. Oui. Et puis le petit prince, il est allé s'asseoir auprès d'une cadole, effectivement. D'accord, alors je te rends ce joli tableau que tout le monde peut constater qu'en très peu de temps, quand on est artiste, on réalise de très belles choses. Et avec, en plus, donc tu nous as toujours pas parlé de ce mélange-là. Alors, en fait, on dit que... Si, mais Saint-Ex, j'ai pas terminé, Jean-Luc. Saint-Ex, il disait que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu s'en souviennent. Alors, moi, j'ai la chance de m'en souvenir. Et effectivement, dès que je prends des pinceaux, je deviens une enfant. Mais quand je prends la plume aussi, en général. Et c'est pour ça que je te propose une nouvelle émission, si tu veux bien, pour garder mon émerveillement d'enfant et puis essayer de vous peindre le Beaujolais un petit peu à ma manière. Alors, soit avec des pinceaux, soit avec des mots, soit avec une caméra. Et puis, qu'on continue d'admirer avec le cœur, comme il dirait, tout ce qu'on a de beau comme patrimoine naturel, bâti et culturel dans le Beaujolais. Alors là, tu m'as tendu la perche pour présenter à l'image ce livre que tu as écrit il y a déjà... 5 ans.
5 années. Cinq années. Ce livre qui s'appelle donc Âme de vigne, cœur de vigneron. Parce qu'un vigneron dépose une part de son âme et une pincée de son cœur dans chaque verre de vin. Alors, si j'ai bien compris, mais je vais te laisser toi présenter ce livre, et ce sera l'objet d'une émission chaque mois. Chaque mois, on va pouvoir revenir sur la vie de la vigne et du vin. Par exemple, là, je reviens au début d'année. En début d'année, nous sommes au mois de janvier. Voilà, donc... On en était à la taille. On en était à la taille. Et puis, Sandrine a égrené tous les mois. Et la prochaine émission sera donc le mois d'avril ou de mai, dis-moi donc. On va parler du mois d'avril où la vigne s'est réveillée en pleurs pour aller jusqu'à Pâques. Parce qu'on dit en Beaujolais qu'il faut que les vins aient fait leur Pâques pour qu'on les boive. Et puis, voilà, pour arriver doucement au joli mois de mai, en sachant que le débourrage, c'est-à-dire les bourgeons ont déjà éclos, et on va pouvoir parler de tout ça. Par contre, Jean-Luc, j'ai une faveur à te demander. Oui ? J'aimerais bien inviter Colette, des fois, dans mon émission. Ah ben, alors Colette, elle n'est pas au pupitre, mais elle va nous répondre en direct. Colette, est-ce que tu serais d'accord d'aller... Voilà. Voilà, donc ben, vous serez en binôme sur cette émission. Je lis simplement le dernier paragraphe derrière le livre, où tu as écrit « De Pouilly-le-Monial à Beaujeu, en passant par Saint-Clément-sous-Valsonne, Bully, Ouin, la Chapelle de Brouilly ou Quincieux, voici la balade que je vous propose dans cet ouvrage entre travail de la vigne et du vin, terroir, poésie et rêverie. » Est-ce que ça résume bien le thème de ton émission? Oui, pas seulement. On pourra aussi parler de la pierre dorée, on pourra parler de la rivière Azergue, on pourra parler de la géologie avec Géoparc, on pourra parler finalement de tout ce qui nous entoure, toute notre belle région, tout ce qui peut nous faire encore rêver, tout ce qu'on peut découvrir et surtout redécouvrir. Voilà, et on peut monter voir les Douglas aussi, il n'y a pas de problème. On peut, enfin voilà, donc on verra. Quelquefois, je le ferai aussi avec mes pinceaux. Pas toujours avec du vin, ça pourra être avec de la peinture ou avec des crayons. Et voilà, je vous propose une balade poétique à chaque D'accord. fois. D'accord, et cette émission, tu nous la proposes mensuellement? Ouais, ça peut être bien. Oui. Une fois par mois, donc. Donc selon les sujets, selon les périodes de l'année, peut-être aussi. D'accord, donc Colette, rendez-vous est pris. Parce que je vais m'ennuyer toute seule. Merci Sandrine, en tout cas, d'être venue rejoindre notre émission et notre talk. On aura vraiment un grand plaisir à suivre tes émissions aux côtés de Colette, aux côtés des émissions d'André, des coups de gueule d'Alain, des poèmes, je ne les oublie pas, de Chloé, et puis de tous nos invités, puisqu'on a pris l'habitude maintenant pour le talk d'avoir au moins physiquement un invité d'honneur. Voilà. Et moi, j'aurais le droit aussi d'avoir des invités. Mais tout à fait, tout à fait. Et promis, pourquoi, je vais trouver des invités. Pourquoi pas un vigneron, par exemple? Ça serait un bon début. Voilà. Merci Sandrine, merci à tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Ce talk un petit peu plus long que d'habitude, qui a changé d'esprit, mais qui, nous espérons, va vous plaire. Nous attendons vos retours, comme d'habitude, sur notre réseaux sociaux, pardon, je cherchais le terme. Merci à tous et bonne soirée, bon week-end.